connaissez bien votre tête. Vous, vous êtes admirable. La tribu de Delawareland. Il y aura... Comment t'appelles ça? Ouais. François qui a des sous depuis lors. Votre chef de projet, Véronique. Le chef de projet, Paul Bala. 2, 3. La tribu Shredder. Nous allons passer maintenant l'antenne à François qui décidément aujourd'hui est vraiment partout. Il est dans les locaux de chez Delaware à Liège. François. François, tu m'entends? François. Voilà François, nous sommes en direct et nous voilà donc de retour en territoire liégeois. Et nous ne résistons pas à la tentation de nous tourner vers un druide et son jeune apprenti, consultant de père en fils. Viens, suis-moi. Peut-être qu'ils vont partager avec nous quelques-uns des secrets de cette potion magique. Bonjour mesdames, Delawareland. On est là pour durer. Et à vous deux là, ça nous fait combien d'années? Si on parle en temps de travail, on est autour des 30 ans. Par contre, si on parle en âge cumulé, là on s'approche de 90. Presque centenaire, c'est absolument magnifique. Est-ce que tu pourrais partager avec nous la recette de cette fameuse potion de Delawareland? On est dans une société qui est très collaborative, dans laquelle il y a une coordination, une convivialité et un partage de connaissances avec l'ensemble des différents teams. Ça, c'est une réponse bien sérieuse. J'imagine que tu es d'accord ou pas tout à fait d'accord avec la réponse de ton paternel. Les mots que j'aurais utilisés pour décrire, c'est vraiment basé sur la collaboration, l'entraide et l'application dans nos projets. Ça, c'est vraiment un témoignage qui vient vraiment du fond du cœur. Bon, voilà, en tout cas, je vous remercie, messieurs, d'avoir partagé quelques éléments du secret. Je vais peut-être reprendre l'antenne, rendre l'antenne plutôt à François, et que je tiens vraiment à remercier de nous avoir donné cette possibilité de rencontrer des gens extraordinaires. Merci, François, au revoir. Mesdames, messieurs, avec toutes ces histoires de potions magiques, je pense vous avoir convaincu qu'à Liège, on aime avoir beau. À ciao, bonsoir.